Ici la régie, nice. Alors tu te loupes pas pour la 658e fois pour cette intro, parce que sinon on va te gueuler dessus. Hein. Salut Nice. Salut Técabon, est-ce que tu vas bien? Très très bien. Et là nous allons tourner quel épisode? L'épisode numéro? L'épisode 20. Oh mais bravo! Bravo, et oui, bonjour tout le monde, c'est dans Civilization en multicoop, sans DLC, exact. Voilà. Et on Allez. Perd pas le fil, on est à fond dedans, tu as rejoint l'Europe, ouais. C'est la bonne nouvelle, ouais. Et je vais commencer à venir te rejoindre, on va faire des choses là. D'ailleurs, ta trième est passée, ouais, bah on fait du bonheur, on fait de l'argent, et après on envahit, je sais pas qui. Moi je passe mon tour, parce que là j'ai rien à faire, comme d'hab. Ah bah moi aussi je dois passer mon tour, et je t'attendais. Et oui, et si, on parlait dans l'épisode précédent de ton ingénieur illustre, Imhotep. Grand architecte, voilà. De donc, ah oui, bah d'ailleurs je le connais, hein, tu m'as pas du tout dit qui c'est non. Un ingénieur égyptien. Exact. Quasiment exact. Ouais, bon, bah, donc, on tu va envoies dire un, que tu l'envoies à Novgorod. Et la chapelle Sixtine, je sais plus ce qu'elle fait. L'unité a été éliminée. Ah, chez toi aussi, moi. Attends, j'ai mon archi qui a un bonus déjà. Bah, ouais. Alors là, il y a un ouvrier qui s'est fait shooter quelque part. J'espère que c'est pas les miens en traversant l'océan. Ah bah si. Ah. C'est chez moi. J'avais une trirème à perpète. Du coup, je vais peut-être ramener ma caravelle en défense. Bon. Fais suer. Ah, c'est pas grave. Ah, je vois pas trop où t'es parti en plus. Non, mais c'est en Amérique du Sud. J'ai un bateau pirate qui m'en a chopé un. Ah, comme j'ai mis en automatique. Bon, 106 pièces d'or. Un de malheur, mais c'est pas grave. Et je continue à passer mon tour. Ok. Très agréable notre session de jeu là, comme ça, j'aime beaucoup. Bah, c'est vrai que ça devient dynamique, on commence à en plus à avoir, comment dire, ouais. Du talent. Ouais. On peut le dire, ta voix passe bien, t'inquiète pas. Ouais. Bah, moi j'aime pas du tout la voix que ça me donne en vidéo, j'ai l'impression que c'est pas de bonne qualité, mais c'est vrai. Apparemment. Bah, c'est le micro, hein. C'est tout. Alors, accélérer la production en cours de la ville, cette action détruit le personnage illustre. C'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Vas-y. Ah, et ça fonctionne pour tout, vraiment, genre. D'accord. C'est marqué qu'il reste 18 tours et si tu l'actives, donc ça sera au tour prochain. Mais voilà. En effet. C'est génial, hein. Bon, bah, Chapelle Sixtine, hein. Voilà. Et ce sera comme ça jusqu'au Moyen-Âge. Enfin, Renaissance, puisqu'on a la Renaissance. Et quand on sera à l'industrialisation, ce sera un peu plus long. Il faudra deux ingénieurs, c'est bon, tu vas aller vite. Mais bon. Attention, je te prends par surprise. Question pour un champion. Quel peintre a peint le haut de la chapelle Sixtine? Oh, Michel-Ange. Ah, bah c'était simple. Ok. Qui était un gros concurrent de Léonard. Ah, oui. Il s'envoyait pas du D'ailleurs, les plans de Léonard, j'ai jamais compris. Il a fait autant de choses que ça. Ouais, il a fait plus que ça. C'est de la folie. Et puis c'était un grand peintre quand même. Donc. Oui, aussi. Il a inventé l'hélicoptère avant son temps, plusieurs siècles avant. Ouais, c'est donc ça, ces machines volantes là dont on parle. Le scaphandrier, pareil, enfin tout. Je crois qu'ils ont fait une série récemment sur Léonard de Vinci d'ailleurs, qui reprend un peu tous ces schémas. C'est sympa comme tout. Donc la saison 2 qui est en cours. Non, ce qui est horrible, moi, c'est qu'à chaque fois, du coup, je me rappelle de la blague, donc c'est ancien que Léonard de Vinci, mais. Non. Non. Tu vas me laisser en blanc là? Vraiment? Oui, parce que je regardais ton empire en fait, j'écoutais pas, excuse-moi, j'avoue. Oh là là! Et ma question qui pointez-le du doigt, il écoute ouais, même aïe. Pas! Jette des pierres. Donc tu parlais de Léonard, pourquoi? Et passe ton tour. Ouais, ça va, on se calme, hein, après. Ah là là. Je regarde tes frontières aussi, c'est bien, ça s'harmonise avec la Chine. Jure. Et ils ont fondé une ville, Tianjin, ouais. Elle est récente celle-là, non? Alors je suis plus trop hein parce qu'ils sont tellement. Eh ben tu sais entre toi et les Aztèques. Ouais. Il y a une ville chinoise maintenant, j'avais pas remarqué celle-là, j'avais oublié. Ah Tianjin. Ouais. Tianjin. Ouais. À moi de voir ce que je vais faire, est-ce que je vais bourrer le mou des Aztèques ou on s'occupe des Français. Sachant que les Français nous a bien calmés quand même. Ouais. Les barbares me saoulent beaucoup. Beaucoup. Alors. Ouais, j'ai la chapelle Sixtine, les gars. Ouais. Et je suis pensais. Donc passé à plus 60 de culture, à plus 80 de culture par tour. C'est bien. Et on a la poudre à canon dans deux tours. Et une doctrine au prochain tour, moi je suis content. Et je passe le tour. Et moi je vais faire des banques, du coup, maintenant. Et
c'est vrai que mes ouvriers, bah, le problème, tu vois, d'avoir fait une ville en Espagne, t'as pas de malus, hein, en bonne heure haute, la distance, ça va. Par contre, le problème, bah, mes ouvriers vont se balader maintenant entre les deux continents, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais risquer d'en perdre avec tes pirates, mais bon. C'est pas méchant. Puis je laisse en automatique comme c'est très grand. Ouais, c'est dommage qu'ils soient allés dans la flotte, là, près de Newcastle. Bon. Alors, bravo pour ta chapelle Sixtine, hein, au passage, GG. Ouais. Non, puis ça faisait longtemps, ça me manquait qu'on ne joue pas tous les deux, là. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Ça arrive au bon moment. Ouais. De toute façon, Bon, par contre. prochaine guerre, on pourra la Ouais. faire quand on aura modernisé catapulte en, En canon? en trébuchet. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas le Non, en canon. trébuchet, d'accord. Ou en canon, mais ça a coûté cher. Oui, beaucoup trop. On va peut-être Mais je devoir. perds un d'or par tour déjà, tu vois, et je suis Ouais. content alors. On va peut-être devoir les détruire et faire des canons tout neufs. Même les archers, mais je perds trop d'argent et il me faut 110 pour les améliorer, c'est n'importe quoi. Ouais. Je regarde un petit peu mes villes, ressources. Dans le genre chanson Raspoutine qui ont pas du tout d'utilité mais qui sont bien, il y en a une qu'il faut que je te montre parce qu'elle me reste trop en tête et j'en ai marre. D'accord, Je d'accord. ne veux plus. Oula! Alors, j'ai exactement. Oh, je vais compter. Ouais. Les trucs oui, qui s'affichent à droite avec les accords. Je ne sais pas combien j'en ai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Faut que t'en 7, fasses tout. 8, 9. Je crois que j'en ai 12 ou 13, 14. Non, je crois que j'en ai à peu près 16. Ah bah tu vois. J'ai rasé un camp barbare, déjà c'est une bonne nouvelle. Hop. Alors le vin. Ah oui, c'est moi qui arrête de donner des trucs, ok. Ok. Ah, le coût en or d'amélioration des unités militaires diminue 33%, bonheur plus 1 pour tout bâtiment défensif, rempart, château. Ah, merde. Oui. Ah bah je crois que je vais prendre ça d'abord. Tu prends quoi? Tu prends ta doctrine là? Non, je prends armée. Je pensais faire la transition puis débloquer, tu sais, l'entretien des unités, oligarchie. Ouais, Mais je vais passer d'abord par armée de métier en honneur. Et là, je vais passer de ok. moins Ouais, 1 à plus 1. ok. C'est bien l'armée de métier. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas le choix. Et alors du coup, je devais améliorer mes archers en payant 170 pièces d'or. Et là maintenant, 110. Donc je peux améliorer. Ouais. S'ils veulent. Les catapultes, c'est combien? 65. Ah bah voilà. Voilà, là, c'est bien ça. Là, j'améliore en trébuchet tout de suite. Je préfère. Bon. Qui veut dire qu'il faut que je fasse des remparts pour l'instant. J'aurai plus de bonheur. Et moi, du coup, bah, tu sais, je ferai les trucs avec les sites, avec les comment. Je ferai piété avec les monuments. Ouais. Du coup, je Et passe mes remparts en priorité, moi, aussi. avant le théâtre. Et il faut que je fasse des ouvriers, bah ben, donc, je bidouille mes restes. Aussi. Attends, je regarde un peu. En égalité, il y a un truc. Il y a un truc, c'est culture plus 2 pour chaque merveille mondiale. Ah, ça peut être marrant, ça. Ah, punaise. Faut bien vérifier ses productions quand tu changes défaut, production, l'or que tu perds, c'est impressionnant. Ouais. Bon. Et là, je vais faire des banques, tu vois, j'en ai marre. Bah ouais. Un ouvrier et le Alors. rempart. Tu me dis quand tu veux passer ton tour, je suis en train de revoir la gestion de mes villes en fait, complètement. Ouais. Bah là, moi aussi, je perds mon temps aussi un peu parce qu'il y a toutes ces, je dois dire, toutes mes unités. Non, il n'y a pas de guerre, les gars, on se calme. Londres, c'est mieux comme ça. York, finir une banque prochainement. Le château. Oula! Ouais. Waouh, regarde la Chine, tout ce qu'il y a sur les frontières Ah oui, là. ce que je disais, je te parlais de ça. Ah, j'avais pas vu. Ou on se calme avec tes armées là. Ouais, bon, c'est des petits piquiers. Hein. J'ai juste deux spassadins avec. C'est tout. C'est pas d'assin, merde. Spassadin, j'ai dit. Oh là là. Je vais me faire incendier à force. Alors, c'est bon quasiment. Oui, la production et un rempart là aussi. Je vais rajouter des remparts partout.
Tiens, d'ailleurs, je connais quelqu'un, quand je joue avec lui, il me dit toujours « Tu mets 3 ans à passer tes tours, t'es vraiment saoulant. Hein. » Oh, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Hein. tu parles de moi, c'est ça? Ouais. Mais non, c'est quelqu'un que tu connais pas. Non, mais voilà, je te laisse arranger tes vies. Hein. T'as bien raison de me chambrer. Ah, ça serait pas drôle hein, si je pouvais pas. Mais de toute façon, là, je veux juste améliorer mon bonheur dans l'Empire pour pouvoir coloniser et venir plus. Voilà, c'est fait. Moi, d'ailleurs, avec les routes, on gagne beaucoup d'argent en vrai. Ouais. J'ai sous-estimé. Je suis passé à 34 là, avec grâce aux routes. C'est vrai que je peux le faire. Et en fait, il y a juste Moscou qui est pas relié à tout. Il manque Yaroslav et. Yaroslav. Ah, il faut que tu le fasses. Hein. Et il y a Recklinburg, et comme ça tout mon empire sera relié à Moscou, et là ça sera bien. C'est vrai que pour les gens qui regardent l'épisode, j'aurais pu faire en off, tu sais, une ellipse, la gestion, mais bon, comme on est limité en temps de toute façon, et tu vas devoir pas tarder. Et là, c'est la poudre à canon qui arrive. Ah, par contre, c'est bon ça. Et on passe à la chimie, hein. C'est ça, t'as pris chimie ensuite, c'est bien. Parce que je vois que je mets 20 tours la chimie là. Alors, après. Alors la chimie, eh ben non, on passe à 12 tours. Voilà, c'est mieux. Bon, bah là, tout est fait. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Bah, j'ai ma caravelle, c'est vrai qu'il va venir attaquer les pirates. Ah, tour prochain, c'est Doctrine pour moi. Et je passe. Il est costaud celui-là. Et là, je peux passer mon tour, je regarde juste ma Doctrine. Ouais. Il y a religion organisée. C'est... Bon, d'abord, il faut que j'adopte le truc, mais. C'est bonheur plus 1 pour chaque monument, temple et monastère. Monument, c'est vraiment tous ceux que j'ai construits, les merveilles et tout. Ouais. Monument, ça marque? Attends. Dans tradition? Dans piété. Dans piété, tu regardais. Pour chaque monument, temple et monastère. Monument historique. Ok. C'est énorme. En fait, c'est énorme ce que je suis en train de me dire. Et ouais, il faut prendre ça aussi. Oh, ça, ça vaut le coup. C'est vrai que tu pioches les premières doctrines les plus faciles après. Mais... Ouais. De toute façon, c'est soit si j'ai un problème de bonheur, après ça sera piété. Si j'ai un problème d'argent, ça va être tradition. Là où. Oh, ok. En attente de joueurs. Oui, je regardais justement ça. Les Iroquois ont déjà distribué aussi. Oh, bah, j'étais prêt en avance, tu vois, pour pas perdre trop de temps. Et après, je me suis mis sur les doctrines. Comment ça? Ah oui, j'ai amené un mec chez toi pour visiter un peu. Ouais, salut. Première fois. Waouh. Bon. Tiens, mais comment on est dans la même équipe? On peut pas s'offrir d'unité, logiquement. Non. Ah, du coup, c'est pas bête. Comme ça, on peut pas tricher en envoyant des unités instantanément chez les gens. Les Iroquois vont faire une nouvelle ville. Oula. Où ça? En face de Buffalo Creek, au sud d'Oxford. Mm-hmm. On va réparer, ça coûte de l'or, ça. Voilà, King de l'or. J'avais des champs qui brûlaient, j'avais toujours pas réparé. Alors. Et c'est la doctrine. C'est vrai que ça tire à distance, ça, j'avais oublié. Toi, t'es mort. Je purge les barbares, là. Violemment. Un peu de culture, au passage. Alors. Rempart, bon. Bon, mais moi, je pars sur piété pour le bonheur, hein, du coup. Ouais. Tour. Mais t'as bien raison. C'est la meilleure solution, et moi je croise les doigts pour pas faire de bêtises en argent. Voilà, c'est parti. Je passe aussi mon tour. Je peux rien de plus pour l'instant. Alors, ou juste avant, si je veux aller un peu plus vite, je peux prendre monarchie, or plus 1 et mécontentement moins 1, tous les deux citoyens dans la capitale. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, ça peut être bien avant. Attends, je regarde juste un peu. Notre construction de bâtiment, non. Les ouvriers, non. Je pense que, en fait, il y a longtemps, j'aurais pu faire code du guerrier 15% lors de formation de l'unité de combat rapprochée. Je suis un abruti, moi, en fait. J'aurais envie de me poser une question. Mais si, arquebusier, on a la poudre à canon. Il y a un truc qui me surprend, là, comme on joue sans extension.
Normalement, on pourrait améliorer Spadassin en arquebusier, et là, ça le propose pas. Ah, peut-être qu'on est pas assez avancé. Non, mais c'est avec Brave New World, on peut directement. Et là, je sais pas pourquoi. On verra bien. Okay. Donc, j'hésite à prendre la piété ou alors la monarchie. Bah, tu manques de sous ou de bonheur en priorité? Bah, je gagne plus 1 par tour d'argent et j'ai 12 de bonheur. Alors, tu fais monarchie. Sans ok. Discuter. L'argent avant. Donc, je suis passé à 20 de bonheur et à plus 11 d'argent. À combien en argent? Plus 11. Ah, oh, mais c'est énorme, tu vois. C'est celle-là qu'il te fallait. Et j'ai vraiment 20 de bonheur. Je suis jamais arrivé à autant. Hein. Ce qui veut dire que soit tu colonises de nouvelles villes, tu fais de nouvelles cités en mais Italie. Déjà, une nouvelle ville après Ika, tiens. Bah, avec 20 de bonheur. Avec 20 de bonheur, tu peux en faire 2, hein, voire 3. Ou alors, je peux recommencer ma guerre contre la France. Voilà. Complètement. Je pourrais me faire un petit pont d'Avignon, là. Ouais. Bon, ben, je vais avoir besoin de ton aide. Suggestion. Tu es près de Marseille, 4 unités à pied, c'est parfait. Tu as 3 catapultes, c'est pareil. Il va falloir te ramener 2 archers à réalité, je veux dire. Un pour défendre Marseille, puis un en renfort pour la ville que tu captures. Et okay. Améliorer, à gauche de Marseille, il y a une unité là, qui est pas améliorée. Ouais. Ton spadassin. Bah, j'ai déjà 2 piquiers hein, qui sont déjà vieux. Ouais, mais t'as un spadassin qui n'est pas à épée longue là. Qui est encore en légionnaire romain, il faut l'améliorer. Ouais. Celui-là. C'est à les sous. Là. Il coûte 65 d'or, je peux. Bah, tu fais. Il faut que tu sois à jour de ce côté-là. Et puis, bah, je te laisse gérer ta guerre. En épée longue, je l'améliore. Ouais. C'est parti. Après, au prochain tour, tu ramènes toutes tes troupes, pas tout de suite, pour pas l'exciter, mais quand ton unité sera prête, tu ramènes tout le monde au bord de la frontière que tu veux, et tu attaques au tour d'après. Ah, les piquets, on peut pas les améliorer directement, non. Je savais pas. Non, non, ils sont déjà. C'est le top Renaissance. Bon, il a pas de chevalier a priori. Espadassin à longue épée, du coup, c'est le top du Moyen-Âge, là, ou un peu plus. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est le bizarre. Ah oui, c'est-à-dire que donc après, on passe au fusil qui s'améliore, quoi. Bon, bah, c'est cool, alors. Ah ouais. Est-ce que je ferais bien d'acheter des terres, quoi. J'ai pas d'argent. Tour suivant. Ah, c'est bien. Bon, ça va vite. Oui, non, je sais pas faire Gollum, j'arrête. Mon précieux. C'est pas mal, toi, c'est pas mal du tout. Gollum. Alors, premier contact. Je connais quelqu'un qui fait très très bien Gollum. Nous avons déjà goûté le sorcerie, le poisson, mais nous avons jamais goûté le Hobbit. Oh, j'y arrive. Le Hobbit, t'y étais. Le Hobbit, ah. Voilà, j'ai réglé mes comptes avec les pirates. La caravelle est bien, on tire à distance, ça c'est cool. Donc je reprends, on peut pas améliorer les trirèmes, ok. Je vais peut-être l'éliminer. Hein. Je réfléchis, Coventry. La production c'est pas génial non plus, punaise. Et non, donc les espadassins épais longs, on peut pas les améliorer. Ouais. En plus, du coup, avec ma trirème, je suis en mode voyage, voyage! Ah, bah, tu m'étonnes. Voilà. D'ailleurs, je sais pas ce qui est devenu Desireless, hein. Je la connais pas du tout. C'est moi quand je laisse pousser les cheveux. Avec du gel, une tête de gel. Bon, bah, banque au prochain tour à York, c'est bon. Théâtre dans deux tours. Là, je peux rien faire pendant deux tours. Là, je laisse passer, je construis dans ma ville. Okay. Si vraiment tu veux attaquer, je peux envoyer des. Je peux envoyer Spadassin à te rejoindre. Ok. Je pense que ça va aller. Alors, marcher. Là, il a mis ses archers en ligne de front. Je pourrais partir, mais ça me semble un peu tôt. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de. Mes ouvriers, ils sont à la frontière là de la France. Et ils ont construit une route. Et là maintenant ils font une ferme. Mais c'est incompréhensible. Ah, ils sont là, d'accord. Il y a une île là qui est pas mal du tout aussi. Bon, message de cité-état, oui. Hanoï. Est-ce que Alectia. Mais j'en ai rien à fiche. Et je remonte à 1 de bonheur. C'est déjà bien, mais je pense que c'est un mieux après. Parce que les théâtres, ça donne 3 de bonheur, n'oublie pas ça. Si je me trompe pas. Et à Londres,
Ah ouais, je vais faire le Taj Mahal. Fais-moi le rempart avant. C'est vrai que c'est dingue, mais bon. Est-ce que je fais le Taj Mahal? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, je crois que les Français ont fait des routes et ils se développent. Ouais. Alors, il a ses archers au niveau de tour qui sont vulnérables parce qu'ils sont tout seuls. Ouais. Et qui peut me faire une sévère riposte plus la ville. Et par contre, à Avignon, il a pas d'archers et il a ses deux piquiers. Après, ses archers ont riposté en revenant. Du coup, j'ai deux solutions. Soit j'attaque directement de front les piquiers à gauche et en y mettant les archers préalablement, les deux archers là. Ouais, mais tu te méfies de tour, à deux de portée de déglingue. Ouais. Complètement, ouais. Oui, tu peux les tuer, hein. Tu peux même te prendre un petit coup comme ça. Et après, du coup, je me tourne vers les piquiers qui seront bloqués. Ouais. Mais peut-être qu'ils cachent des unités aussi. Il faut pas que je le prenne au quart de tour. Alors la question c'est, est-ce que je t'envoie mes troupes? Mais le problème c'est que je n'ai pas de... Attends, je viens de réfléchir à un truc. Parce que tu sais, partir au quart de tour ça existe. Ouais. Mais prendre au quart de tour, j'ai dit du caca là. Ouais. Alors, il faut pas que je parte au quart de tour, oh là là. Eh, c'est le soir, hein. Je suis fatigué. Hein. Oh putain, je regarde comment améliorer. C'est vrai que je suis très très limite, mais je sens que tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. Do it! Make your dreams come true! Mais je peux amener mes espadassins chez toi si vraiment il y a un souci, je viens en défense. Ça peut te rassurer. Ouais, okay. J'en envoie un vers Marseille, mais ça mettra 3 tours. Hein. Voilà. Wow. Et puis l'autre. Ici. Allez, j'envoie mes deux. Je suis pas en guerre vraiment en danger. Je passe mon. Du coup, tu le fais en bateau? Ouais, bah, la voie la plus rapide. Hein. Ah, l'archer de Novgorod, je peux peut-être le descendre directement à Marseille. Je me sens pas inquiété. Ou alors celui de Chartres. Sachant que Marseille a un rempart, sinon tu peux taper directement Tours hein, et couper Marseille pour plus, et Avignon plus tard. Les piquets vont se faire défoncer à distance par ta ville. Mais t'as besoin de tes 3 catapultes, donc il faut vraiment un arbalétrier à Marseille. Ok. C'est mon seul conseil, mais ce ne sont pas tes productions pour l'instant. Ah, t'as le Kremlin aussi. Ah, mais c'est pour ça que t'as fait plein de merveilles partout. Ok. Ouais. Okay. Ah, le Kremlin, c'est aussi une merveille. Oui. Ça en fait beaucoup. C'est pour ça que tu fais pas trop d'unités. Il faut te faire des défenses un peu plus. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que j'en fais vraiment beaucoup. Je sais bien. C'est comme ça qu'on a... Ah, bah, je suis l'homme aux merveilles. Ah, ça, c'est quelque chose que j'adore. Hein. Genre, quand tu me parles des jardins de Babylone, tout ça, l'ancienne bibliothèque de. D'Alexandrie qui a brûlé là. Waouh, ça me passionne. Et cette merveille du monde, pareil, waouh. Je regarde un peu chez mes voisins. D'ailleurs, il y en a combien qu'on est sûr qu'on existait et qui sont toujours là? Je sais plus. Toujours là, non. Alexandrie, donc ça a brûlé. Ouais. Il y a eu un incendie. Le grand phare d'Alexandrie, lui, s'est effondré avec le tremblement de terre. Mm-hmm. Le colosse de Rhodes, c'est pareil, tremblement de terre, il s'est effondré. Et d'ailleurs, les peintures font que le colosse, il enjambe le port avec ses deux jambes. Ouais. C'est faux, hein, il était sur un côté. Tu as aussi une histoire. Tu connais Crésus? De nom. Ça te parle quelque chose? Riche comme Crésus, tu connais l'expression. Oui, de nom, ça me dit quelque chose. Il avait un pays proche de. Dans la Turquie, qui était proche d'Anatolie autrefois. La rivière s'appelait Crésus, justement. Il y avait tout, je crois, où c'était le roi. Et il y a une histoire d'une princesse ou un truc comme ça qui a perdu son mari et elle a fait un mausolée par là aussi. C'était une merveille détruite qui n'existe plus. Enfin, bon, il y a que la grande pyramide qui reste. C'était tout le tour. Ouais, c'est ça. Ouais, des 7 antiques. Ouais. Ah, quoique, on peut dire la grande muraille de Chine, mais la grande muraille de Chine n'est pas antique. Ouais, c'est vrai. Je vais voir. Moi, si je peux d'ailleurs. L'empire chinois à l'époque, si, c'est antique. Ouais. C'est pas le Moyen Âge. Je dis de la merde. Mais comme tu dis, c'est la fatigue. À l'après, s'il y en a qui veulent poster, allez-y, lâchez-vous. Moi, je suis friand. Alors. Là, c'est bien. Je remonte à 4 de bonheur. Ah bah oui, parce que. Bon, ok. Je sais pas pourquoi. Je dis... Ah, attends, les 7 merveilles du monde, je vais regarder précisément. Parce que du coup, bah, je suis revenu là-dessus.
Ouais, il n'y a que la pyramide qui subsiste, t'as raison. Alors, pyramide de Khéops, les jardins suspendus, la statue de Zeus à Olympe. Ouais. Le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée, t'as raison, d'Halicarnasse, voilà, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Bah, c'est bien. Ouais, ok. Je suis pas trop rouillé. Non, mais déjà, j'en connaissais trois, je suis content. Mais tu sais que tout ce que je connais sur l'histoire, c'est à cause de Civilization. Hein. C'est le premier quand j'ai joué quand j'étais ado. Ça m'a motivé à lire un peu tout ça. Non, c'est vrai. Il y a une très belle gravure d'ailleurs sur ces 7 trucs là. Sur ces 7 merveilles, pardon, voilà, qu'est-ce que je dis. Alors, donc j'ai à nouveau du bonheur, à nouveau de l'or. Attends. Artémis, c'est pas la déesse de la chasse, ça me dit quelque chose. Si, si. D'abord, si tu regardes, il y a de très belles statues sur elle, ça fait kiffer n'importe qui. Ok. Du coup, ouais. J'envoie mes troupes. Parce que j'ai envoyé un trébuchet à Oxford, je suis pas inquiet à Oxford, c'est bon. Donc je passe mon tour. Et normalement il arrive bien là, ok. Donc ce qui veut dire que tu vas avoir beaucoup d'aide. Tu pourrais presque laisser un piquet à Marseille si tu veux pas attendre Barbet l'étrier. Tu attaquerais quelle ville en premier? Là tout de suite? Ouais. Laisse-moi regarder. Là, il met beaucoup de défense à Avignon. Du coup, déjà, ça serait très difficile à prendre. Donc, plutôt tour, ouais. Bah, c'est dans deux tours. Bah, et si je la prends, je détruis ses routes. Oui, sa route. Tu détruis pas sa route parce qu'il faudra la repayer, mais après, tu pourras. Oui, attaquer. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, lui, il va pas gagner. L'argent de sa route sera annulé. Ouais. Et en plus, je vais couper Avignon du reste de la France. Ça peut se tenter, par contre, si il faut faire attention à la contre-attaque avec Avignon, faut que je prenne vite la ville. Je suis pas inquiet, t'as 3 catapultes. Il a pas d'épée longue, ouais. Et moi j'ai ramène 2 troupes avec toi. Faut juste que je me coordonne avec toi. En plus, je pense que je peux laisser un peu mes catapultes dans ma ville, à Marseille. Non. Non, parce que Marseille, ta ville va tirer au canon. Ouais. T'as la poudre à canon, donc t'as un bonus d'attaque de toute façon. Et t'as l'arbalétrie qui fait beaucoup de dégâts, donc je suis pas inquiet. Tu ouais. Choisis. Mes catapultes, elles seront protégées parce que elles seront à l'intérieur de ma ville pour tirer sur tour un peu. Ah mais non, tu peux aller qu'à 2 cases. Il faut que tu t'approches, tu te prépares. J'en ai des trucs à 2 cases, ouais. Une à 2 cases au moins. C'est-à-dire que les fantassins, ils vont devoir coller tour et puis les catapultes vont être derrière quoi. Pour l'instant, c'est pas ça. Et ouais, t'es pas en trébuchet, t'as pas pu les améliorer non plus. T'as pas de sous. Attends, je regarde ça. Ouais, ça serait une priorité aussi avant d'acheter. Si je peux les améliorer, mais ça me coûte de l'argent. T'as pas le choix. Si je peux les améliorer pour 180, par contre, il va me rester plus que 20 d'or. Hein. T'en améliores une, c'est tout. Ok. Ou tu peux améliorer les 3. Je peux améliorer les 3, mais j'ai plus d'argent après. Tu gagnes de l'or par tour, de toute façon. Bah, fais-le. Ça coûte très cher, mais. Allez, go. T'auras pas de retard. Oh bah j'espère que tu vas gagner de l'argent, du coup je pourrais pas te dire. Hein. Quand tu vas annexer la ville, ça va te rembourser. Voilà. Oh bah là je suis énervé avec mes 3 trébuchets du coup. Ouais, et puis j'arrive. Si tu gères bien et que tu passes ton tour, on va pouvoir attaquer et avoir une ville dans cet épisode là. Ça va être cool. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais défendre ton flanc gauche si tu veux. Alors normalement là, avec tout. J'ai fait quand même des énormes avancées depuis la dernière guerre que j'ai menée. Hein. Ouais, j'ai que des fantassins à épée longue. Des espadassins, pardon. On pourra les défoncer. Et en plus, j'ai des trébuchets. Et plus mon général qui va améliorer les 3 trébuchets. Oula, je suis énervé là. Ouais. Et Stockholm, tu t'inquiète pas, hein, si tu empiètes, il va être un peu fâché, mais bon, le temps d'attaquer. Il est déjà en colère avec moi, du coup, je me calme. C'est pas grave. Ah, il est redevenu neutre, non? C'est bien. Alors. Canterbury, qu'est-ce que je fais? Énorme. Bon. Hop. Bon ben, je vais commencer à me coller à leur frontière du coup. Ouais. Alors, le déplacement. Les fantassins en première ligne. Je peux même déjà commencer à attaquer ces archers. Attends d'être bien prêt en ligne. Hop. Ok. Regarde-moi, j'arrive. Oula!
Je peux amener une troupe avec toi, défendre ton flanc gauche, et puis même laisser Stapper pour ta niche. Et du coup, mes spadassins à épée longue, je peux les mettre en première ligne, là. Voilà. Avec un piqué. Du coup, il va commencer à s'énerver parce que je vais être à côté de la frontière. Tu t'approches pas pour l'instant, ouais. Quand tu seras vraiment prêt, ou tu peux y aller après tout, hein, mais je suis pas prêt à ce tour-là. Mais tu peux déjà y aller, bon, j'irai renfort après. On dit que tour prochain, je les avance à la frontière, et le tour d'après, j'attaque. Ouais, c'est comme tu le sens. C'est parti alors. Sachant tout ce que tu as à faire, tu peux coller à la frontière tout de suite, au prochain tour, tu défonces. Hein. Lui, il se met à Avignon complètement. Tu peux même être vicieux. Tu penses que je peux les coller directement? Ouais, tu peux même être vicieux, ton piqué qui est à gauche de Marseille, là. Tu serais vicieux. Tu le laisses à la frontière près d'Avignon pour qu'il reste là, à stacker toutes ses troupes. Puis moi, je reste en défense près de Marseille avec mes troupes à moi, et toi, tu fonces à tour après. Tu peux t'amuser à ça. Ok. Et tu peux donc... Je laisse à côté de Marseille, du coup, il va être là. Ouh là là, ouais. Il veut m'attaquer ici. Mais ton épée longue, tu la descends au sud de Marseille, ouais, près de la frontière aussi. Ok. Bon, allez, je passe mon tour, on voit ce qui se passe. Du coup, je laisse le piquier à l'énerver et l'épée longue, je le descends à côté de l'autre. Ouais, mais faut que tu le rapproches, le piquier, loin de la frontière, faut qu'il touche la frontière. Et quand tu déclares la guerre, bah ton piquier il se barre, il revient vers Marseille, quoi. Voilà. T'as un trébuchet aussi, il faudra pas qu'il soit trop loin de la route. Alors celui-là, fais gaffe, laisse pas trop à gauche. Ouais. T'as un trébuchet en arrière de Marseille, mets-le sur le camp de commerce là. Tiens, t'as bougé ton piquier. Ouais. T'as une case au-dessus qui est libre, et puis y a pas de problème avec la Stockholm, tu peux rapprocher de ton trébuchet aussi. Voilà. Comme ça? Voilà, impeccable. Ton général? Au milieu des trébuchets donc? Voilà, en deuxième ligne. Et il y a juste l'autre trébuchet qui sera plus loin à amener, ou alors je le mets directement une case en bas? Eh ben c'est pour ça que j'amène mes troupes pour protéger ton flanc quand ton trébuchet va bouger. Pour pas qu'il vienne attaquer. Okay. Donc tu attends le tour d'après. Bon bah tour prochain j'envoie la sauce du coup. Normalement ouais, puis j'arriverai à temps j'espère. Allez go. Oh là là. Donc cet épisode va être un petit peu plus long puisque on filme. Tu penses qu'on a le temps jusqu'à la prise de tour? Oui. Bon. Ça va faire un peu plus qu'une demi-heure cette fois les amis, comme d'hab, hein, des fois on dérape à 40-45 minutes. En attente de joueurs. Ça y est, c'est bon. Hein quoi? J'entends pas les rageux. Oh là là. Regarde, tu vois, il ramène tout le monde à Avignon. Oula, t'inquiète oui, pas. Tu t'occupes de Tours et moi je vais m'en occuper. Je vais coller à Marseille. Puis comme ça, je pourrais défendre ta cité en tant que tu les tapes. Avec ton arbalète étrier, t'as vu. Et ton piqué est costaud, hein, t'inquiète. Ouais, Stockholm qui défend aussi, mais t'inquiète pas, Stockholm, ouais. Je suis gentil. Hein. Alors. Oui, j'ai la cité interdite. Voilà. Et je suis seulement à 23 de bonheur. Donc mon épée longue, je le bouge pas parce que j'attends que tu fasses ton mouvement de guerre. Ok. Alors du coup... Bon, est-ce que je continue sur la merveille et je fais une épopée nationale à Moscou ou je me calme un petit peu? Faire des arbalétriers serait pas du luxe. T'en as besoin. Allez, c'est parti. 7 tours, c'est tout. Bon, j'y vais. T'en as besoin, Charles. T'en auras besoin sur tes villes que tu vas conquérir. Alors, du coup, je vais bouger mes spadassins et directement les coller à Tours, c'est ça? Ouais, tu fais ce que tu veux. Je peux même commencer à attaquer son archer là. Complètement, si tu as envie. J'attends que tu bouges ton trébuchet pour bouger mon épée longue sur Marseille. Ton piqué, à la limite, tu pourras le mettre. Ouais, vas-y. Fais, et moi je suis. Déclarer la guerre à Napoléon. Vous pourriez passer sans provocation en signalant un traité de libre passage. Non, on veut le bourriner. Moi je suis passé à moins 3. Ouf. One shot, boom! Foncez vers le sud! Ah, désolé. Donc ils encaissent, hein, tu t'inquiètes pas pour tour. Oh mais ils sont énervés les spadassins à longue épée! Ok, alors qu'est-ce que tu fais comme autre mouvement maintenant qu'on suit bien? Bam! Voilà. Hey, ton piqué, est-ce que tu peux l'amener à tour? Celui qui est à droite. Normalement là en il peut descendre. Première ligne, il peut. Voilà, tes trébuchets maintenant, bah... Allez. Le piqué de Stockholm te gêne. Donc vas-y, descends les cases libres, Oasis et puis route. Gère bien tes trébuchets. Attends, oui, j'en descends deux d'abord. Les deux de droite, vas-y. Ouais, vas-y, très bien. Ton piqué va devoir protéger ton trébuchet. Moi, je peux juste faire, attention, ça. Ce qui veut dire que toi, ton piqué, il faudra qu'il protège ou au champ de vigne ou dans le désert. Moi, je dirais champ de vigne. Ok. Champ de vigne. Bah, j'y vais alors. Ouais, l'archer ennemi va peut-être tirer dessus, c'est pas grave.
Et le dernier, bah, le dernier trébuchet est un peu derrière, mais c'est pas grave. Ouais, même sur la route. Allez, go. Oui, ou sur le champ, s'il bouge. Mais Stockholm, je pense pas qu'il va bouger, il va t'embêter. C'est pas grave, on a de l'infanterie. Et n'oublie pas ton général. Je le descends au-dessus des deux autres, le dernier trébuchet. Ouais, vas-y. Et ton général. Ouais. Armer le trébuchet. Voilà. Tirer avec le trébuchet. C'est la première fois que je fais une guerre en coop. Purée, tu peux tirer tout de suite? Ah bah oui, moi je suis énervé. Hein. Alors est-ce qu'il est énorme? Ah, il a pas de rempart. Il a pas de rempart, c'est bon. Ouh là là, ouh là là, ouh. Oh, je les entends déjà crier de malheur. On a perdu quoi? Ah, parce que j'ai perdu un accord commercial avec... D'accord, c'est pour ça qu'on fait la guerre à Napoléon. Portail diplomatique, est-ce que je peux faire un échange avec quelqu'un en urgence? Ouf. Non. Par contre, faut vraiment que je fasse pas souvent des guerres, parce que ma santé mentale descend très vite après. Je suis là, tu es tout le monde, tu es tout le monde. Ah, est-ce que je peux lui passer un fer? Non. Ah, je regarde vite fait avec le Japon, je peux pas. Ah, ça m'avait manqué de tuer des Français. Je le garde trop violent, tu sais. Non, mais vous inquiétez pas. Tout ce que je dis, c'est à prendre avec humour. Hein. Bah, c'est le jeu, hein. Je te suis complètement là-dessus. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que ça crée des scènes n'importe nawak, comme c'est placé n'importe comment. Ouf, les Américains, ils m'aiment pas. Hein. Ah ouais? Bon, bah écoute, je peux pas faire d'échange. On s'en fout. Est-ce que j'ai à déplacer mes unités? Ah oui, je canarde un camp, c'est vrai. Je finis juste mon tour et je passe, t'inquiète. Voilà. Tour suivant. C'est bon. On peut dire qu'en prenant la ville, cette ville, je serai à mon tour. Bonne blague, ça. Elle est belle. Écoute, c'est très fin. Oh bah c'est de l'humour, pas du tout. Ah mais c'est carrément génial comme ça. Donc, Avignon. Ah, sa ville régène. Alors oui, bah ouais. Mais... Bon, tu vois, c'est pas grave. L'archer va tirer dessus. T'as du bol, ton trébuchet. Ce qui serait génial, c'est que Stockholm déplace son piqué, que tu puisses mettre tes trébuchets à droite. Comme ouais, ça, alors déjà, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais te conseiller. Alors. Oh, je mets tout dans tout! Non, écoute-moi bien. Ah oui. Tu veux un conseil ou pas? Je mets tout dans tout! Je finis. Alors, on veut positionner tes trébuchets. Tu vois ton piqué près de tour? Ouais. Il pourra descendre d'une case. Je vais descendre d'une case à droite de tour? Voilà, il va traverser la rivière. Ton trébuchet, okay, qui était au-dessus du piqué, qui est sur la route, écoute bien. Je le descends est-ce en bas. Est-ce qu'il peut aller de l'autre côté de la rivière, au-dessus du piqué? Est-ce qu'il peut aller là? Oui, il peut. Vas-y. Le trébuchet qui est au-dessus. Voilà. Le trébuchet qui est au-dessus du général, est-ce que tu peux le mettre sur le champ de sucre de Stockholm? Pas bon. Remonte le champ au-dessus. C'était pas là? Non, là t'es trop prêt en première ligne de tour. Ok. Voilà. Et l'autre qui est sur l'oasis, tu le mets avec le général. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir boucler. Tu peux même venir en renfort là, si tu veux laisser ton piquet. Et celui qui est abîmé, il peut piller les pélons qui est abîmé, tu peux piller le champ. Où il est? Ouais. Normalement, alors attends, je pille le champ? Ouais. Celui qui est à gauche de tour. Vas-y. Il régénère normalement un petit peu, non? Et tu le mets à gauche de tour. C'est parti. Si vraiment ça commence à être chaud, tu me dis après. Moi, je protège Marseille d'un cran. Voilà. Et là, on est bien. On est bien. Je me mets en défense. Alors, c'est ton piqué, autrement, il est bien. Et là, t'es tranquille avec tous tes. Okay. Tu bombardes maintenant, tu y vas. Ok. Bon, mais je peux juste attaquer avec des spadassins. Voilà. De toute façon, Stockholm, tu t'en fous. Si vraiment il t'embête, après on l'envahit. Du coup, là, je peux juste attaquer avec mes spadassins qui sont juste au-dessus de tour. Eh ben non, tu mets en défense pour l'instant. Ils vont encaisser les. Ok. Ah, ben je sais ce qui manque. Excuse-moi. Deux secondes. Ouais. Je ne peux pas aller. Tour, il y a une case qui n'est pas occupée par une infanterie. Ton piqué peut aller? Quoi? Est-ce que ton piqué qui est près de Marseille peut aller à tour? Son champ de sucre qui est libre. Pour protéger les trébuchets. Alors, ouf. Le champ de sucre qui est libre. Qui est à côté de tour. Entre ton épée longue et ton trébuchet. Il y a une case de vide. Sucre, plantation, route, plaine inondable, ouais. Il peut aller là ou pas? Oui. Envoie-le. C'est parti. Voilà, là tu vois, ta première ligne protège tes trébuchets normalement.
D'accord. S'il n'est pas assez intelligent. Et je passe. Alors là, ça va être énervé le prochain tour. Hein. Là, je suis confiant. En plus, j'ai gardé un épée longue près de Marseille, ce qui va calmer. Bon, j'ai à peu près 70 758 dégâts. Et t'as vu cette méthode, bah, on protège complètement tes trébuchets, quoi. Ok. Et là, par contre, ça, il est obligé de se grouper à Avignon, il peut plus rien faire. Hein. Normalement, ça va être bon. Dans deux tours, c'est plié, là. Bon, par contre, moi, j'évite toujours de faire beaucoup de pillages parce que c'est un truc qui m'embête de tout reconstruire après. Là, je te fais plaisir. Soit on est vicieux, on ouais. arrête l'épisode et on fait pleurer tout le monde et on va dans le prochain. Soit on prend tour en direct. Qu'est-ce que tu veux ? On s'en fout. Oh là là, oh, oh le dilemme. Et je vois l'heure pour toi. Eh mais vous saurez, dans le prochain, c'est le gars. C'est toi qui gères, hein. Je sais pas à quelle heure tu te lèves. Alors attends. Ouais mais attends. Voyons de ton côté des choses. Si je termine maintenant, les gens sont contents, mais le prochain épisode, ils vont pas l'attendre avec impatience. Peut-être. Mais en soi, faire ça, c'est du... Là, ils vont... On les oblige à attendre le prochain épisode, ah, je sais pas. Non, fais-toi plaisir. Si tu penses que ça le gère, allez, prends tour. Vas-y. C'est juste pour toi, tu te gères ton sommeil. Ouais, bah quand ça sera mon tour, je prendrai tour alors. Parce que pour info, il est quand même 23h20, c'est pour ça. Oh, bon, ça va. Tu me fournis plus d'encens, salaud. Ah. Je trouve. Eh ben, on va s'en aller. Ah, toi, tu me donnes plus de pire alors, que Il prend cher ou pas? Ça, c'est pas grave. Le vieux soldat qui est mort tout seul. Bon, ton épée longue, là, il commence à être un peu embêté. Il faudrait qu'il puisse être en retrait, peut-être. Je pense pas qu'il peut aller en retrait. Qu'est-ce qui te gêne pour reculer après, faudra voir. Pour le sauver, parce que là, il est en mauvaise posture. Alors... moi, je vais le mettre là. Protéger. Ouais, j'ai le Kremlin. Je vais dégager un truc. Je vais faire ça. Ah, je suis proche d'Avignon. Okay. Merde, j'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Alors, celui qui a abîmé, là, ton épée longue, est-ce que tu peux le mettre en retrait? Attends, je te dis ça. Puis, oh, faut que je fasse un échange avec toi, parce que sinon, ça va pas aller mon bonheur. Je te prends l'encens et je te propose de la teinture, tiens. Je t'ai fait un accord. Hein. C'est parti. Je reviens à 23 de bonheur. Voilà. Et donc ton épée longue qui a abîmé près de tour, qu'est-ce que tu peux faire? Alors attends, d'abord là, tu vois, je laisse les gens bien avoir envie d'avoir la suite. Mais moi pendant ce temps, je suis en train de faire des choses tranquille là. Je fais un petit chevalier. Tu peux même bombarder hein, directement en tour. Alors c'est parti. Bombarde d'abord. J'arme les trébuchets. Ouais. Comment tu l'abîmes? Parce que peut-être, tu peux peut-être le finir là, comme ça. Le premier. Ah, il t'a envoyé des archers aussi dans le cul, hein. Je vois là que ça arrive. C'est bien. Le deuxième. C'est très bien. Le troisième. Oh, ça va être plié ça, je le sens. Bon, tu veux mon avis? Je mets tout. Pas celui qui est abîmé, mais les pélons entiers, puis les piqués, ouais. Allez, c'est parti. Tu prends les pélongues et les piquets qui sont pas abîmés pour l'instant. Ça va faire des dégâts ou pas? Oula, ah, ils se prennent quand même une patate, hein. Ouais. Une patate, mais c'est pas méchant. Allez. À mon avis, tu l'as. Hein. C'est beau. Bravo. 130 d'or. Du coup, ben, j'annexe la ville. Hein. Ouais. Et tu vois qu'il y a, il y a un général à tuer et il y a trois archers qui arrivent. Mais attention, t'es à portée de lion. Ok. La ville est annexée, du coup je vais reculer avec celui qui est abîmé. Bah, voilà, là je l'ai bien fait reculer loin. Hein. Ouais. Là tu restes en défense autour de tour déjà. Okay. Les archers vont pas attaquer, hein. Tu peux même rester en retrait et réparer, mais bon. Ouais. L'épée longue peut défoncer un archer ou pas? J'enlève juste le général pour. Va falloir que j'enlève le général et tout de Stockholm parce qu'ils sont vraiment en colère contre ouais. moi du coup. Ouais. C'est bien, hein, bravo. Hein. Bah écoutez, vous savez quoi? C'était l'épisode 20. On verra ce que décidera Nice dans le prochain épisode. Ça te va? Ouais, ça va. J'avais dit qu'on faisait ce collector, mais je sais qu'il est tard pour toi. Là, t'es camon, il va être raisonnable. On vous dit à tous bonne nuit, bon jeu et à la prochaine. Ciao, Nice. Allez, salut. Ouais, et bravo pour ta victoire. Merci. Hanukkah, oh, Hanukkah.
are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lot just be. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long.